Salut les amis, je suis à Paris, donc si vous me voyez, tapotez-moi dans le dos. Allez, peace. Wesh Djibril, sans pas les couilles. Pas mal ça, go. En fait, tellement il y avait du bruit dans la salle, bah les snaps, même si j'en avais mis, vous auriez rien entendu du tout. Donc, grâce à un superbe blackard qui nous a mis une carotte à la dernière minute, on se retrouve à 4h du matin à Paris, à rien foutre et à attendre le train qui en plus est à 6h. Donc on est pas prêt de dormir avec le poteau. Ça fait grave chier parce qu'on a hyper froid. Surtout qu'on est levé depuis 7h30 ce matin. On a fait une séance bras ce matin. Et puis c'était fatigant. Et là, on se retrouve comme des zigotos à Paris. Et on fout rien en fait. On a des jours bizarres. Franchement, comme dit Xavier Nouvinette, c'était un film. Genre, on avait un truc toutes les minutes et tout. C'était genre trop bizarre. Franchement, je sais que je vais en faire serrer plus d'un sur mon snap avec mes snaps. Je m'en bats avec en fait. Genre, c'est mon snap, je raconte ma vie si je veux. Fuck, j'aime. Je sais que les snaps précédents, on s'en battait les couilles aussi. Mais voilà, j'avais juste envie de le dire. Donc là, on est dans la même rue qu'il y a 5 minutes. C'est vraiment très chelou. Les gens sont bizarres à Paris, vraiment. Il y a les... Bref, c'était une super journée avec le poteau. Un concert de ouf, il y avait ma... Il a niqué mon truc. Donc au concert, il y avait Enjoy Phoenix, il y avait Djibril Cissé, il y avait d'autres stars des poteaux de Justin. Et il y avait la douce de... Xavier a peur, mais bon, je vois pas pourquoi il aurait peur. On a le droit de se mettre ici, non? Donc on n'est pas dedans. On paye pas, on s'en fout. Voilà, j'ai parlé vite fait avec Djibril Cissé et sa meuf. C'était cool. Non, en fait, ils sont battés littéralement les couilles, c'est un gros connard. Vas-y. Sinon, Justin, il a pleuré deux fois. C'est la première fois dans le Purpose Tour qu'il pleure deux fois. Donc ça, c'était cool. On lui a donné des frissons. Après, il y avait une superbe ambiance et tout. C'était nickel. Toutes les places étaient bien placées, franchement. Même nous, on pensait avoir une place de merde et tout. Mais en fait, on était grave bien placés. On voyait trop bien Justin et tout. Ah oui, puis j'ai un truc à vous dire après. Genre les meufs qui étaient, enfin même les mecs qui étaient au concert, donnez-moi vos vidéos et tout si vous avez un bon son, parce que les miennes, j'ai filmé tout le concert de A à Z et le son il est pourri de ouf tellement ça... Non. Genre tellement il y avait des... Ouais là oui. Parce qu'on a trop froid, on va se faire un truc chaud. Ouais c'est fait. Non. Genre tellement il y avait des basses, bah du coup ça pétait le son du micro et tout, c'était horrible. Donc s'il vous plaît les gens, donnez-moi. Je tiens au courant pour quand on sera parti, quand on arrive à la gare, quand on sera dans le train. Et puis on se retrouve pas nulle part d'ailleurs. Alors il est 4h10 du matin et je compte, et il est pas au courant, casser littéralement les couilles à Xavier. Tu dis quoi Xavier? Tu me fais déjà depuis 8h30 ce matin, c'est bon. Xavier, attends, t'as passé une super journée, super agréable et tout. Cet homme est de toute évidence de très mauvaise foi. Non, mais surtout perdu. Non, mais plutôt tu marches, je sais même pas où. C'est pourquoi t'avances comme ça. En tout cas, le rappeur là, qui était au début du concert de Justin, il était franchement lourd. Je sais pas c'est quoi son nom, si vous le savez, dites-le moi. Sinon, le groupe d'après, The Knox, je sais pas, c'était. Bref, les blablacariens là. Si vous faites du blablacar et que c'est pour mettre des plans carottes comme ça, ça sert à rien. Allez, niquez vos mères. C'est comment il s'appelait, Vincent? Bon bah c'était Mathieu. Bah Mathieu va niquer ta mère, tu vois. Parce qu'à la dernière minute pour un truc familial de mes couilles, eh bah tu nous as mis une carotte et du coup on reste glandé là à cause de toi. Et en plus on va payer la dose de thunes à cause de ta gueule. Donc faudrait pas qu'on croise parce que sinon on va te défoncer. Te défoncer. Ah parce que nous on n'est pas des fragiles hein. Fais attention. Fais attention Mathieu. J'ai une révélation. De Xavier, il doit se gratter le fion. Il me lâche des cargos depuis tout à l'heure.